Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer donc comment faire des petits flocons de neige, comme ceci, donc avec des bâtonnets de glace. Donc c'est cool parce que c'est bricolage avec des éléments recyclés. Donc vous n'avez pas besoin de... Il n'y a pas beaucoup de frais de matériel. Alors, pour ça, vous avez bien sûr de 16 bâtonnets de glace. Ensuite, on a des paillettes, hein, des petites paillettes. Donc c'est comme des feutres paillettes, hein, c'est à volume. Hein. Ok, donc on a besoin de ceci. Donc voilà. Des produits spéciaux pour la déco. Et puis on a aussi bien sûr de la colle à bois. Bien sûr, colle liquide à bois. Pour coller donc nos bâtonnets. Donc déjà, on y va comme ça par deux. Donc on fait comme un X assez allongé, assez aplati. Pour les deux premières. Après on met un point de colle. Donc voilà, on essaie de bien ajuster. Donc on va se dire, bon, on met notre point de colle ici. Bon. Après, bon, je pense que ma colle a un peu séché au niveau de mon tube. Bon. Alors, on y va. On positionne ça. Et puis après, bon, on a notre première étape. Maintenant, on peut ajouter encore un autre bâtonnet. Et puis après, bon, on fera ainsi de suite. Hein. Donc, on met encore un point de colle. Et on colle comme ceci. Et on arrive avec la dernière. Dernier bâtonnet qu'on va le mettre ici. Et voilà. Donc, on fait donc comme une croix, donc avec angle droit, on essaie. Et maintenant, on va s'occuper de la déco. On peut peut-être laisser aussi sécher pour laisser un peu notre étoile tranquille et pour pas que tout bouge tout le temps. Voilà, parce que là, regardez, ça bouge encore. Donc, peut-être patienter un petit peu. Vous laissez bien sécher et vous pourrez faire votre décoration après. Bon. Là, je commence déjà. Hein. Du coup, cette casse-pied, ça a un peu bougé. Bon, on a fait un petit effet vague. Avec les paillettes. Hein. On arrive, on prend du vert. On va colorier. Et après, bon, bien sûr, vous êtes libre. Hein, au niveau des motifs, des décorations, là, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Là, c'est un exemple. Hein. Là, on prend un peu de doré. Et là, on prend encore celui-là. Et on va le faire également en doré. Bon, j'espère qu'il y en aura assez. Ouais, hein, ça va quand même passer. Ok. Plutôt cool le résultat. Donc on laisse bien tout ça tranquille. Hein. On va laisser ça sécher. Puis on reviendra plus tard pour voir ce que ça va donner. Hein. Ok. Donc là, c'est bien sec. Parfait. Bon après, pour ce qui est donc la pâte à paillettes hein, avec des couleurs, bon, c'est un petit peu, encore un petit peu fluide, on va dire, encore un peu humide.
Donc il faut que ça sèche peut-être encore un peu plus. Mais bon, c'est plutôt correct. On peut quand même bricoler avec ça. Donc là, on va essayer de caser donc, de la ficelle. Ok, donc peut-être pourquoi pas ici. Et comme ça, bon, mais pourquoi pas, on peut faire une boucle ou autre. Et on accroche ça ensuite au sapin de Noël ou à la fenêtre ou comme vous voulez. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Aimez la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez surtout pas, ce serait super cool. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous les abonnés de nous suivre. C'est super cool. Et puis, bon, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Et puis, on se dit à une prochaine. Salut !